Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons. Les amis, aujourd'hui on va parler fight avec des combats de ouf sur mon KVK. On va voir aussi cette carte et cette stratégie qu'on utilise. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Et d'ailleurs, en parlant du Discord, une petite mention spéciale, car on est venu me chercher, hein, Nitus, bien joué à toi d'être venu me chercher sur le Discord pour ce méga fight, car j'avoue que j'avais raté l'heure d'ouverture de ce combat. Alors c'est plus une heure de push hein, qu'une heure d'ouverture. Comme vous allez le voir, je suis tout de même, alors pas sur le plus gros des KVK, alors c'est pas un KVK, c'est une saison 2, hein, je fais l'amalgame avec Rock, mais comme vous allez le voir, ça reste quand même solide au niveau des forces en présence. Au niveau donc du classement, vous allez le voir, hein, ça ne rigole pas, alors c'est pas ici du tout, c'est ici, vous allez voir le classement des joueurs, alors ça a bien baissé en puissance, hein, on était bien plus haut. Par exemple, Optimus Prime a perdu près de 15 millions et ceux qui sont derrière, on en avait bien plus, à plus de 100 millions pour vous dire à quel point le fight fait rage. Regardez, au niveau du mérite, alors moi je suis un tout petit hein, avec mes presque 21 millions, je suis 700e mérite personnel, hein, pareil. Le premier à 21 millions, le deuxième 15 millions, des scores de ouf. Regardons au niveau de puissance d'alliance et vous allez le voir. C'est là que c'est très très lourd. Au niveau des puissances, on a les ROE qui sont retombés à 5 milliards 200 pratiquement de puissance. Ils étaient plus hauts, ils étaient plus proches des 6 milliards. On a donc, ce sont nos ennemis, hein, les ROE. On a avec eux les SK, les Sun Kingdom, 4 milliards 7. Hein. Et puis après, on passe à ma coalition avec les OGA à 4 milliards 3. Les Natisk S, alors c'est pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, j'ai commencé avec les Natisk S, hein, vraiment très très grosse alliance de Russes, hein, très fort. 4 milliards, pratiquement 3 également. Les OGZ qui sont une sub, même pas une sub, une seconde alliance du royaume avec les OG, 4 milliards 2, ça fait déjà pas mal. On se retrouve avec notre adversaire. Donc en vrai, si on regarde bien, c'est plutôt équilibré, sachant que nous on est tous en Sclera, hein, on est bien regroupés. C'est plutôt équilibré, ils ont presque 10 milliards là, nous les trois suivantes on a presque 13 milliards, puis après ils prennent leur troisième, donc ils remontent à 13 milliards, c'est plutôt équilibré, nous avec les OGH à 2 milliards 2, les Rota, NTA, franchement ça devrait pouvoir faire quelque chose de pas mal, j'espère qu'on va gagner cette saison 2. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des fights? Donc je vous ai pas montré le mérite des alliances que vous puissiez comparer, hein, où sont les plus gros fighters, hein. C'est ici mérite d'alliance, les premiers sont les SK avec 261 millions, deuxième les NTS, les Natisk avec 237 millions, puis 225 millions pour les ROE, 183 millions pour les OGA, OGZ 159, 142, nous on est 8e, on est pas mal avec nos 30 millions, presque 31 millions. La zone de fight, c'est très très simple. Alors, je me suis mis en recul pour la nuit. Regardez, on était ici, c'est ça. Dans Call of, on se retrouve souvent avec des grosses zones sur les ponts. Je vous ai fait des records. Hein. Vous allez voir, regardez bien la zone, comment elle est actuellement. Vous le voyez, hein. Ça avance bien. On est bien sur le flanc. Il y a une rivière de Jevel à passer et on se retrouve de l'autre côté. Et c'est ici que ça rebloque, vous voyez, hein, on a les OGA qui sont là au rendez-vous et en face, on se retrouve donc avec les SK et les MK, leurs subs hein, et leurs flags qui sont en train de, leur tour d'alliance qui sont en train d'être posés, la nôtre qui est en train d'être posée pour continuer d'avancer, très gros push sur cette zone-là, on a réussi à la prendre et je vais vous montrer les combats, c'était une dinguerie. Plus, je vais vous expliquer en même temps comment on procède sur ces zones-là. Regardez donc, je vous ai fait un record. Ce qui est bien. Alors, le record, il a été fait sur mon iPad, évidemment. Ça ne lag pas du tout sur mon iPad Pro. On se retrouve exactement dans la zone que je vous ai montrée. Regardez, hein. Donc là, je venais d'arriver et de me connecter. Et j'envoyais mes troupes, j'étais derrière. Après,
Je me suis TP, on était en train donc les OGA de poser une tour pour toucher le territoire et grosse zone de fight. Et vous le voyez, c'est quand même beaucoup de combats à distance, c'est sûr. Hein, si vous n'avez pas des tanks extrêmement solides pour passer, vous allez manger vos dents, sauf sur les tours. Les tours qu'on est en train de détruire hein, en haut à droite. Donc là, quand il y a le petit marteau, pour ceux qui n'ont pas percuté, c'est que vous construisez. Et quand il y a des sortes de petites boules à pic, c'est qu'on essaie de détruire. Voyez, là, c'est une tour de l'Alliance MK qu'on est en train de shooter, tout simplement, vous voyez, hein, détruire. On est en train de l'attaquer pour la dégager, pour poser. C'est la première rivière, celle que je vous ai montrée là, qu'on a réussi à passer par la suite. Au niveau des binômes utilisés, ce genre de moment de combat, je vous invite toujours à les suivre. Surtout, vous voyez, hein, on a pris cher, les OGA perdent beaucoup de troupes. Ceux qui reviennent en tête de mort, c'est vraiment majoritairement des OGA. C'est normal, on est sur le territoire de l'adversaire et c'est nous qui essayons de pousser pour les dégager. Malgré leur puissance, ça sent quand même bon pour nous sur cette zone-là. Mais attention, on n'a pas encore les RE qui sont à plus de 5 milliards, qui sont vraiment l'alliance de Baleine. Les SK étant juste l'alliance numéro 2, ce qui est déjà énorme avec leurs 4 milliards de puissance. Donc, comme je vous le disais, sur ces moments de combat, ce que je vous invite à faire, c'est toujours de regarder les binômes utilisés. Vous le voyez, là, on a évidemment pratiquement que des mages et des archers. Ça se passe beaucoup à distance. Et on a énormément de Lilia. Lilia pour les pay to win, puisqu'il faut l'acheter, hein, est vraiment la plus efficace. En binôme, on a un Cendrillon également. En binôme avec qui on la voit soit en binôme en second, on a Velin, soit Velin carrément en premier. Si vous n'êtes pas un pay to win et que vous n'avez pas lâché vos 200 balles pour acheter Lilia, moi, je vous conseille de prendre Velin. Vous avez Kyria aussi, on a Madeline. Plus chaud Madeline parce qu'il va falloir passer le pont. Et quand vous allez essayer de passer le pont, vous allez vous faire péter la bouche. Et nous, on est sur le flanc là et vous le voyez hein, avec les troupes volantes. On peut passer par-dessus la rivière tranquillement et aller attaquer nos adversaires, le OGH. Hein. On est sur tout ce flanc là. Et le but est de soutenir l'attaque des OGA et des OGZ. On pouvait swapper d'une alliance à l'autre. On soutient l'attaque et on repousse l'adversaire sur ce pont. Vraiment, on aurait eu plus de facilité si on avait été les premiers à atteindre ce pont et à pouvoir le passer et poser une tour. On aurait été en défense, puis en push. Là, on ne peut pas défendre, on est obligé de pusher directement. Ça nous coûte énormément, évidemment, en perte, hein, mais c'est pas bien grave. Ça fait partie du jeu et on refera les troupes par la suite. C'est le but hein, des jeux de guerre et de stratégie. C'est de pousser l'adversaire à gagner le territoire. Je vous rappelle, on a gagné la saison 1. Il n'y avait pas vraiment de duel, c'était les NTS. On était un Royaume-Uni. Saison 1+, on l'a gagné. Saison 2, on l'a gagné. On s'est réunis, enfin, on l'a gagné. Disons que c'était un peu mitigé, mais on s'est réunis avec les OG, les NTS et les OG, avec Optimus Prime qui était déjà le plus gros des joueurs. Et là, de nouveau, on arrive à bien se positionner. Encore une fois, je ne sais pas si on gagnera ce KVK, en tout cas, on est extrêmement bien parti et on est en train de repousser totalement l'adversaire. Les binômes, en plus, vous le voyez, hein, c'est le dragon qui est utilisé, hein, le petit dragon bleu qui est utilisé avec les mages. C'est celui que je vous conseille, vous pouvez prendre les lézards aussi, on le voit. Ça sort du behemoth. Regardez ce moment où on a sorti notre behemoth. Avant cela, je ne sais pas si on l'a vu passer très brièvement. C'était un moment où je ne recordais pas, hein. Ils ont sorti leur ours. Regardez à quelle vitesse un behemoth que vous sortez, pour ceux qui ne l'ont jamais testé, hein, va se faire déboîter. Il est parti au nord, vous allez voir, il ne va pas durer 1000 ans. Il est parti sous le contrôle hein, du maître des behemoths. Hein. Vous voyez, il était déjà presque mort. Là. Il est parti attaquer sur une zone de tour pour qu'on tienne le terrain. Le but n'est pas de se faire dégager et de tenir la zone pour qu'on puisse réussir à détruire leur tourelle. C'est plutôt très long dans ce jeu, je trouve, de détruire les tourelles. Ça pourrait être plus rapide, mais après, c'est trop rapide. Regardez, l'aigle, il s'est fait défoncer. Il est au nord, là. On le voit juste en haut de l'image. Ça va très, très vite sur sa vie. Franchement, c'est, je trouve, une perte quand même de sortir. Après, voilà, ça sort. Les MK sortent l'ours. Alors, j'ai cru que c'était plutôt sur le record, mais non. Eux, ils sortent l'ours.
Après, l'ours, ça va se faire déglinguer. On le voit là, il est là. Il est en train de. Pour l'instant, sa vie, elle est plutôt stable. Il va, on se fait, vous voyez, on le shoot bien déjà à distance. Alors que lui, l'ours, il va devoir faire tout le tour. L'avantage de l'aigle, c'est qu'il vole. Ça tape encore hein, au niveau de l'aigle. Ils ne se sont pas encore focus dessus. L'ours, lui, il va vraiment prendre ses dents. Au niveau des troupes qui meurent, regardez. Hein, là, on voit bien les troupes grises qui reviennent. Beaucoup d'OGA qui sont en train de mourir. Moins de SK et de MK sur cette zone là. Encore une fois, c'est normal. C'est nous qui sommes en push. On est sur leur terrain. C'est pour ça qu'il faut bien tenir. Et on était tous extrêmement bien réunis. Les trois alliances hein, OGH, OGZ et OGA. Bon KVK, je vous en ferai suivre d'autres hein. Bon KVK, cette saison 2, je suis sûr. Le royaume là, le voyeur ou les coordonnées hein. K52. N'hésitez pas à venir le voir, les amis. On va finir en vous montrant la zone. Je pourrais vous montrer hein, d'autres records hein, de ces zones de combat. Regardez au niveau de la saison 2. Il y a pas mal de royaumes qui arrivent actuellement en saison 2. La zone de saison 2, la carte, hein, reste assez petite. Hein. Au final, le but est évidemment de se diriger vers cette zone 5. Alors évidemment, à ce stade de la partie, elle est découverte intégralement. Nous, on est donc, hop là, je vous le montre, sur cette zone de fight. Hein. C'est vraiment très très chaud. On est en train de monter et le but est de les repousser totalement jusqu'à leur porte de niveau 4 et les enfermer, sans compter qu'après. Hein. On a d'autres flancs où c'est la guerre, d'autres côtés hein, où c'est tendu. On a le côté hein, des HRTS hein, où j'ai fait un passage rapide la saison dernière d'ailleurs. Et on a les ROA qui sont là, regardez, les ROA avec leur sub, les ROTA, et ils sont retenus, les ROE également, ils sont retenus avec les NTS. C'est très très chaud hein, sur ce côté-là, mais pour le moment, ça tient. J'espère qu'on va réussir à gagner. Si vous rentrez en KVK saison, enfin en saison 2, tout court, et pas en KVK, si vous, faut que j'arrive. Hein. Si vous arrivez à, en saison 2, certains royaumes viennent de commencer. Hein. Vraiment, faut se faire violence et enlever la brume rapidement. Ça va être un avantage après pour voir comment votre adversaire évolue. Voilà les amis, c'est tout pour cette très grosse guerre hein, qui est en cours, hein, vous le voyez. On continue d'avancer aujourd'hui, il y a d'autres push qui sont prévus. Je vous tiendrai au courant si on arrive à repousser nos adversaires hein, et notamment les ROAE qui sont vraiment les plus gros actuellement sur cette saison 2. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Call of Dragons.